Dans notre société moderne, la pratique du sport est devenue inégalitaire, pour des raisons économiques, sociales, d'infrastructures, de volonté, d'image et de préjugés. À l'issue des élections des instances dirigeantes des fédérations sportives pour l'Olympiade 2013-2016, les femmes représentent 12,5% des présidents, 22,9% des secrétaires généraux et 13,5% des trésoriers. Sur ces trois fonctions, la représentation des femmes est en progression par rapport à la précédente Olympiade. Les jeunes de nos quartiers politiques de la ville sont trop souvent confrontés à des phénomènes de drogue, d'alcool, aux réseaux sociaux, internet, portable. Nous voulons changer les choses et rappeler que dans notre ville, il y a de la vie. Le sport permet la sécurité avec des professionnels qualifiés, un suivi, un accompagnement et une ouverture vers le bien-être. Entre 2012 et 2016, le taux des licences féminines a progressé de 37 à 38%, soit une progression de 1 point. Cela représente en effectif brut une augmentation de 353 804 licences supplémentaires délivrées à des femmes ou des jeunes filles, quand celles délivrées à des hommes ou des jeunes garçons n'ont progressé que de 156 622 unités. Dans la boxe, il y a beaucoup de licenciés, dont des femmes. Il y a une histoire, l'histoire de l'Académie de boxe de Tourcoing. Je suis M. Yehoui Fata, comme entraîneur de boxe depuis 1988. Depuis quand le club de boxe existe-t-il ? Le 1er mai 1954. Quelles ont été vos motivations pour avoir repris le club de boxe ? La motivation, c'est... J'avais, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à boxer. Et c'est là que je me suis implanté dans la boxe, comme boxeur. Et après, je suis devenu entraîneur depuis 1988. Et j'ai repris la section du club. Où le club est-il implanté ? À Tourcoing. Merci. De rien. Mais guette un peu la femme, sa petite tenue. Le style vestimentaire n'est pas obtenu. Monsieur Yehoui Belaïd, président de l'Académie de boxe de Tourcoing. Donc j'ai pris la présidence de l'Académie de boxe de Tourcoing en 2013. 2013, donc j'ai été aussi également boxeur amateur et professionnel au sein du club. Ça fait plus de 33 ans que je suis licencié au même sein du club. Donc ça fait de la route. Votre club est-il mixte ? Mixte, oui, à partir du moment où j'ai pris la présidence en 2013. J'ai voulu justement intégrer cette mixité. Il me paraissait très important d'avoir une mixité au sein du club. Donc on a développé cette mixité au fur et à mesure des années. Donc ça fait à peu près 4 ans, 3 ans que je travaille sur la mixité. Aujourd'hui, on est à plus de 45 filles en interne. Donc ça fait déjà pas mal et j'espère évoluer par rapport à ça. Et justement, pour évoluer dans la mixité, le club a fait appel aussi à une éducatrice, qui a pris une éducatrice au sein du club, afin qu'elle puisse mieux s'occuper des filles, entre guillemets, au sein du club. Comment se passent les entraînements entre les filles et les garçons ? Les entraînements se passent très bien, parce que donc la salle est déjà assez grande, c'est large. Il y a de la place pour tous, et bon, après, en même temps, les filles s'entraînent avec les garçons, et les garçons avec les filles, ils mettent les gants ensemble, donc sans souci, sans problème. Et parfois, ce qui est marrant, c'est que les garçons tatillent un petit peu les filles, et quand ils mettent les gants, ils s'aperçoivent aussi que les filles ont duré pendant, et ça se passe très bien. D'ailleurs, on a quand même des champions en boxe féminine, donc le respect est là. Je m'appelle Nawalet Jemal, éducatrice au sein de l'association du Boxing Club Tourquenois depuis environ 3 ans. Je suis licenciée en sciences du sport, en éducation et motricité. J'ai longtemps pratiqué la natation sportive et j'ai découvert la pratique de la boxe durant mes années universitaires. J'ai cependant évolué dans un milieu de boxe, mon père étant éducateur. Quel est le projet au féminin du club ? Alors je dirais que le projet est sur deux axes. Dans un premier temps, il est quantitatif, c'est-à-dire d'intégrer un maximum de filles au sein de la structure. Dans un deuxième temps, ce sera finalement de garder toutes ces filles et donc de développer d'autres compétences
en l'occurrence, ouvrir leur esprit, ouvrir l'esprit des filles mais aussi des garçons, de normaliser leur venue au sein du club, mais aussi de les socialiser et vraiment de faire que la boxe finalement soit un moyen d'inclusion. Il est vrai que l'Académie de boxe de Tourcoing a été pour moi un cadre assez favorable. Quand je suis arrivée, tous les voyants étaient finalement au vert. Le président avait déjà mis la boxe féminine comme objectif principal. Et en ça, ça a été facile. Finalement, toutes mes demandes sont respectées. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres ? Les difficultés, alors je dirais que la boxe féminine nous apporte des défis quotidiens. En l'occurrence, le fait que pratiquer un sport de compétition nous amène forcément à la compétition, justement. Et donc, qui dit compétition dit éloignement des parents. Pour pouvoir justement garder ses filles, il m'a fallu vraiment gagner une confiance de ses parents. Donc je crois que ça a été vraiment l'axe majeur. Gagner la confiance des parents, mais aussi la boxe, des difficultés comme la nutrition, et donc il a été à ma charge de faire prendre conscience de la nutrition aussi bien dans les familles que être éducatrice donc au sein de ce club quotidiennement me permet donc d'agir finalement tout. Le recrutement d'une éducatrice est-il important selon toi pour encadrer la pratique du sport féminin ? Il est évident qu'il est indispensable de féminiser l'encadrement de ce sport, ce qui a d'ailleurs été pour moi une source réelle de motivation, et j'ai donc d'ailleurs passé mon prévôt fédéral afin d'avoir justement toute cette légitimité en tant qu'entraîneur officiellement. Sachant qu'il y a une corrélation positive entre être une éducatrice et le développement de la boxe féminine. Elle va te coucher, pas de pitié. Je m'appelle Alicia Paradis, j'ai 14 ans. Quel âge pratiques-tu la boxe ? Ça fait 2 ans que je fais de la boxe amateur. Avant ça, j'ai fait 3 ans de boxe éducative. Comment t'es venue ta passion ? Quand j'étais petite, j'avais des oncles et mon grand-père, surtout qui faisaient de la boxe. Alors du coup, j'ai aimé et j'ai voulu le faire. Quels sont tes objectifs ? Pour l'instant, c'est gagner les championnats de France. Et par la suite, j'aimerais bien faire le championnat du monde, le championnat olympique. Toi, est-ce que c'est un handicap d'être une fille dans la boxe ? Non, pas du tout. Et en plus, cette année, j'ai fait les championnats de France et je suis arrivée 3e avec la médaille de bronze. Et je suis fière. L'année prochaine, j'espère avoir la médaille d'or. Merci.